bienvenue sur Banzai Live pour la suite de la découverte sur Borderlands. On avait joué une petite heure et demie pour découvrir le jeu. Et bien nous voici pour la suite de nos aventures. On est toujours sur le Shadow, toujours à la manette, toujours en graphisme élevé et on stream toujours à 30 fps. Je sais plus ce que je devais faire. Clac. On avait plein de choses en fait en suspense. On avait des cartes, des machins, des bidules. Bougez pas, je vais juste relancer le streaming du Shadow pour être nickel chrome. Et puis on va essayer de continuer à découvrir un petit peu le jeu. Là, on est dans une phase où genre les missions sont tellement anecdotiques que je vois même pas l'intérêt de jouer à deux sur ce genre de truc. Quelle est la mission la moins loin en fait? Vous pouvez utiliser la carte pour obtenir des informations sur la zone où vous trouvez des points d'intérêt proches de vous. Point d'intérêt, vous pouvez sélectionner un point d'intérêt sur la carte en plaçant son curseur sur l'icône. Grâce à les fenêtres d'info, vous pouvez obtenir les informations. Et cette liste affiche les endroits de la zone pour lesquels le voyage éclair est disponible. Ah voilà, et là il dit où il y a les différents missions. Par exemple, récupérer la colonne de Skag. Et là, récupérer la colonne humaine. Voilà, c'est là. Mais attends, mais du coup c'est pas toutes les missions en cours ça. En fait, faut faire ça, et là maintenant... Vous pouvez utiliser la carte pour obtenir des informations. Et oui, vous sélectionnez un point d'intérêt. Et nanana, et nanani. Voilà. Par exemple, hein. Par exemple, ça c'est là-bas. Fouiller la caverne de Spark. Fouiller la vieille laverie. Fouiller la tour. Fouiller les yeux. Fouiller. Mais quoi, je peux pas changer la carte? Pourquoi je peux pas changer de quête? Mission principale, sectaire, aller au Saint Centre de Diffusion. Prendre la carte des arches. Ah oui, d'accord, et tout ça c'est de la merde en fait. Trouver la fiche de avec la vue de face, fouiller la vieille laverie, récupérer la colonne de Skat. Bon, ça c'était juste à côté, donc vas-y, on va le faire. Juste quelque peu oublié. Ah mais là il y a une autolock, donc du coup là j'ai ma lock. Oui. Et on se dirige à la Halo en fait, plus ou moins. Les armes embarquées sont vraiment à chier. Récupérer une colonne de scat. Et là, mais c'est horrible, c'est PETA et PETA va intervenir. Ah, lui là? Ah parfait. Rapporte-la au distributeur. Et bouge ton cul aussi. Ça a l'air bien ce flingue. Il fait moins de dégâts mais il a une meilleure cadence de tir. Taille du chargeur possède 5 zip roquettes montées qui inflige 24 de dégâts. Et lui, ça c'est un fusil à pompe mais c'est de la merde le fusil à pompe. J'en ai déjà décrété que c'était ça me faisait chier. Mais sauf que celui-là il a l'air bien. Ce décor il est tellement beau en pas mouvement, mais alors ça c'est tellement l'ambiance 2002 quoi. Il nous faut aussi une colonne humaine. Ça se passe là-bas.
Comment tu veux que j'aille là? Faut faire tout le tour? Comment je fais? Là, regarde, mais tu es en 3D. Faut faire tout le tour. J'ai vu une conduite mieux, j'ai vu mieux. Enfin, je crois qu'il y a mieux. Il faut retourner dans cet endroit pourri. Ça va te la couper. Garde ma dignité. Oui, il joue à un autre jeu en fait. Il joue à un jeu où le corps à corps fait mal ou. Engrandis le plus petit dernier. Ah, t'as trouvé voilà. Une colonne humaine. T'as le profil parfait pour Pandore. Allez, essaye. Ah, que 5 balles. Et puis en plus, c'est de la merde la visée. Ça te va bien, la décomposition. Et les putains de grandes paluches. Je vois la couleur de tes tripes. Est-ce que je suis obligé en fait de m'infliger CFDP? Utiliser la colonne humaine. Tu l'as, t'es un dent, ta main. Excusez-moi. Ok, installe la colonne. La colonne du bandit marchera pas. Je voulais juste me venger parce que ces trous du cul ont pété mon distributeur. Mais je te remercie de ton dévouement au capitalisme. T'as déjà la colonne d'un Skag électrique. Essaie. Ça marchera vachement mieux, je te promets. Bien joué, chasseur de l'arche. Tu peux maintenant accéder à toutes mes marchandises meurtrières par un moyen bien pratique. Et pour te remercier d'avoir collé une bonne raclée à ces connards de oh, mon inventaire est déjà plein, je vais putain. Ouvrir ma cache secrète. Comme quoi, la vengeance, ça paie, pas vrai? Putain d'usine à gaz. Alors j'ai écouté un petit peu hein, vos retours sur la première VOD, comme quoi ouais mais bon si tu connaissais pas le premier. Enfin si t'aimais pas spécialement les autres, pourquoi t'attendais quelque chose de mieux? Mais j'attendais d'être surpris simplement, genre que c'est une mission première d'un triple A. D'être séduisant malgré tout. Ah non mais mon inventaire est déjà fucking plein quoi. Et là, vous croyez que ça c'est normal par exemple de pas pouvoir lire. De pas pouvoir de pas savoir ce que j'ai en face de moi, je vais reculer quoi.
Là, j'ai envie de toutes les prendre, ces putains de grenades, mais... Mon inventaire est plein de saloperies. Et comme j'ai envie de gagner de l'argent, on va se faire chier un max. Aller au magasin, vendre mes merdes. Alors Vanda qui dit bonsoir, est-ce que Twitch est capricieux ou est-ce que j'ai mis la catégorie? Attention. Ah, c'est marqué Gears 5, ouais, d'accord. J'avais pas rechangé en Borderlands. Ah, c'est marqué Gears 5, ouais, d'accord. Autant pour moi. J'avais pas rechangé en Borderlands. Ah, c'est marqué Gears 5, ouais, d'accord. Autant pour moi. J'avais pas rechangé en Borderlands. Mon modérateur a fui. Je me demandais où c'était passé. C'est saloperie. Voilà. Qu'est-ce que je vais vendre? Je vais vendre tout ce qui est déjà tout ce qui est bleu parce que bon, ça me paraît bizarre, quoi. J'avais un truc comme ça à une époque. Et après, il y a des trucs, mais pff, comment... Si, j'ai pas besoin de 12 000 flingues. Ah, du coup, j'ai carrément que c'est plus en vue. J'ai des balles avec ton nom dessus. Enfin, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi j'aurais besoin de 12 000. Ah, grenade, mon dieu! Ça me rend dingo. Mais l'inventaire est si petit au début, quoi. Alors que le jeu te farfouille de. Enfin, te bourre de trucs, quoi. Enfin, looter ce truc! Et du coup, pas savoir ce que je vais avoir comme ce que je m'équipe comme grenade. ...15% de dégâts pour chaque ennemi touché. Grenade explose peu après impact. Amplified frag grenade. Très bien. Pas besoin d'aucune autre grenade. Attends, mais... J'ai que des fusils à pompe alors que j'ai testé ça. Ah merde, il s'explose, d'accord, donc je viens d'exploser la gueule. Pas très malin. Bref! Aller au centre de diffusion et prendre les cartes des arcades. J'ai fait tomber ce flingue. Du coup, il avait l'air mieux celui-là. Ah! Blanc et vert, c'est pourri. Bleu, c'est bien. Violet, c'est cool. Je ne sais pas. Let's go! Enfin, oui, ça a l'air d'être par là. Vraiment se barrer. Ah, je peux vraiment pas passer par là. Faire le tour du coup. Non, laisse-moi rentrer.
Koba. La conduite n'est pas très... Rage. En 2010. Hein? En 2011 peut-être, Rage. Bien, hein? Deux. Pas bien. Salut, chasseur de l'Arche. T'as qu'à suivre cette route pour atteindre le saint centre des diffusions. Mais méfie-toi des dieux jumeaux. À ce qui paraît, Tyrin Calypso est la star du show. Son frère Troy s'occupe de tout le côté propagande. Et c'est tous les deux des couilles. Ah ouais, je l'ai dit. Oui, plus haut. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je déteste les Calypso. Ils ont fait tomber les bandits de Pandore dans le panneau en leur promettant des bagnoles de la mort et des sonnats pleins de sang. Ça fait rêver, hein, non? C'est quoi ça? Un fast travel? Enfin, je veux dire, même méga en tout cas, bande de nulos. Je suis pas fait de sang, alors je prends le tien. C'est avoir le slip de Vaughn. Oh, il y a un slip, mais putain, mais comme c'est drôle! Le pire de tous les crimes! Il m'a volé un slip! Un de mes Hyperion Red Bar chéri, merde à la fin! Tu te rends compte le mal que je me donne pour en trouver par ici? Va me le massacrer! Et sans pitié! Une affaire de slip. Vous êtes dans le business de hot dog maintenant, grand parangon du monde culinaire, bravo, allez hop, au boulot! Oh non, mais ça a l'air trop marrant, j'ai peur de mourir de rire. Trouver Pig Slip et tuer le Pig Slip. Allez. C'est parti. Alors, pour avoir revu des images de Borderlands 2, il est quand même beaucoup plus barebone. Hein. Il manque. Il y a deux fois moins de polygones à l'écran. Mais en fait, c'était tellement propre que les gens ont l'impression que c'est le même jeu. Des baroudeurs à la vite trouve le Pig Slip. Et bon, ça me fait rigoler. Enfin! Voilà ce vil voleur de slip! Chope-le! J'adore! Il meurt, saloperie! C'est que j'ai vendu le stage sniper que j'avais. Par en bois! Pas d'instinct! Je comprends maintenant! Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Attendez, pardon, c'est quoi ce vieux spawn sauvage là? Toujours vous ramener sans...
sans exception. Sauf si vous mourrez dans une cinématique. Bon, ça c'est la blague sur les cinématiques est marrante. Attends, j'ai récupéré un flingue qui était mieux que celui d'avant, non? Mais niveau 7 requis. Mais attends, mais je suis niveau combien? Pourquoi mon niveau est pas écrit en énorme? Pourquoi suis-je idiot? Je suis niveau 5 en bas, ok. Ah mais c'est pour ça qu'il me défonce. Et son niveau 7, ah oui. Ça vise hyper mal, putain. Allez, t'attends. Tu as sec. Et là, ils sont level 8, d'accord. Putain, j'oublie que ce truc est fait exprès hyper balèze. C'est des armes level 7. Oh putain, ça sert à rien. Ça sert à rien que je les ramasse maintenant. Par ici, ma fille. Ça n'a pas de sens. Tu apprécies ton dernier souffle. C'est du loot bête et méchant. J'aime ton enthousiasme, mon ami. Je suis à moitié en train de me défoncer la gueule tout seul. Mais pourquoi je suis aussi low level alors que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé? Le stream est à 30 fps mais c'est fluide, non? De toute façon les versions console sont pas fluides, donc chez vous c'est pas fluide, hein. Enfin, à moins d'avoir un gros PC, le jeu il est hyper mal optimisé. Prêt à chasser? Ça devrait faire l'affaire, pour l'instant. On n'a jamais assez de santé et de boucliers. Achetez-en dès aujourd'hui, voire tout de suite. Mais non, c'était level 6, putain, mais c'est... C'est absurde. J'ai le meilleur plan de la ville. Si ta gâchette fait clic, faut que tu répliques. Eh bien, d'accord. Merci. Moi, cette merde, ici, moi, cette merde. On ne juge pas. Mais lesquels sont équipés? Voilà, tout ce qui est équipé, hein, mais tout ce qui est pas équipé, claque. De toute façon, je sais pas quoi. Je me prends les avec. T'as de l'argent? Alors pourquoi pas le dépenser? Merde, je crois. Bah putain, non, j'ai vendu tous les trucs qui étaient level 6 et que j'ai pas utilisé. Lol. Je m'en fous. Oui,
Et d'accord que les décors sont assez pauvres quand même. Vous approchez du marqueur de Typhon de Léon, le premier chasseur de l'Arche. Hélas, il s'est volatilisé voilà plusieurs décennies à la poursuite du berceau Eridien. Je cherche à rassembler toutes les informations qu'il aurait pu semer derrière lui. Prêt pour le combat ? Bienvenue au Saint-Centre de Diffusion ! Notre diffusion quotidienne va bientôt commencer avec une invitée spéciale ! Faites vite vos offrandes pour rejoindre notre chat d'élite de niveau Eridium et profiter de toutes les coulisses sanglantes du chaos ! Et maintenant, le moment que vous attendez tous, lâchez tous votre plus beau râle pour notre reine divine, notre sœur à tous, Tyrene Calypso! Salut, salut, mes petits bandits chéris! Ici la reine divine Tyrene en direct du Saint-Centre. Nous, on stream, vous, vous criez, et on se prépare tous à entrer dans la Grande Arche. On accueille aujourd'hui des nouveaux convertis, et devinez quoi? Ils nous apportent la carte sacrée des Arches. Si ça ne leur apporte pas une place spéciale dans la famille, je mange mon chapeau. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire une chose. Ils m'avaient tous accepté, alors que je ne suis même pas bandit naissant. Mes premiers mots n'ont pas été soif de sang ou de... Ah, la visée au flingue est bien dégueulasse, quoi. Yeah. Ouais, putain, on me fait défoncer quoi. Donc en fait, faut faire les missions secondaires. T'as pas trop le choix quoi. J'ai besoin de toi. Parce que là, c'est la grosse baise. Si tu veux. Ah oui, putain, j'adore. Ouais, cool, niveau supérieur. Plus aiguisé. Enfin, tu faisais les flingues que j'ai revendues. Encore. Encore. Voilà. Merde, putain, j'oublie ce truc. Tu apprécies ton dernier souffle. En fait, c'est que la dissonance ludonarrative de Borderlands, j'arrive pas à passer où, quoi. Allez, ma fille. J'ai un gros souci avec. Allez, viens. Les proies ne vont pas se chasser toutes seules. Vite, je dépense un point de compétence. Cumule en changement d'ajouter une munition, vitesse de rechargement plus 3%, coup critique nanana, nanana, plus de santé, dégâts de l'ordre d'attaquer, dégâts des armes. Un merci tout particulier pour nos deux fidèles Turbo Carry et Mono Glaoui. Votre recette pillard à la broche, et la vidéo de la préparation. Putain, je voulais juste ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce nain jaune ?
ça, ça a l'air beaucoup mieux. Toi, là, tu apprécies ton dernier souffle. Je suis le prédateur, tu es la proie. Non, c'est que dans Destiny 1, j'avais absolument aucun problème avec le système de d'attaque et tout, mais je pense que c'est le avec le setting et tout, j'ai du mal à rentrer dedans. Quoi. Oh là là ! Je t'interdis de mourir. Mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Ah oui, d'accord. C'est quoi cette arme de chiasse? De la bouse. J'ai jamais réussi à quoi que ce soit. Plus de munitions de snipe. Ah, si, c'est bon. Pour le troisième ça faisait à peu près des dégâts. Je te donne l'ordre de l'attaquer, ce truc de merde. Tu es un nain! Meurs, putain! Oh mon dieu! J'ai plus rien! Oh non mais pas encore putain mais non mais merde. Yo mon chien. Mais ça peut que être mieux. Mal à la tête. Par ici, ma fille. Merci beaucoup à Harvard. Nous envoyons
Des coffres. Mais les pans, amis. Ok, il est temps d'accueillir les éclipseurs dans notre famille. On publiera la vidéo plus tard avec une toute nouvelle morning boucherie. Je vous dis à plus. Partagez, likez et obéissez. Encore un stream parfait de notre infaillible reine divine, Tyrene. Le saint centre de diffusion attend de nouveau toutes vos confessions et vos peaux fraîches. C'est la radio libre. J'ai des balles avec ton nom dessus. Enfin, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, ce fusil à pompe... Soutiens les petits commerçants. Vends à Marcus. Ça, c'est un fusil d'assaut. Si je veux essayer ce fusil pour changer un peu, ça va être une merde absolue. Du coup, des fois, tu te dis genre. C'est un jeu où il y a 1 million de guns et tu as passé 300 heures à en trouver un qui feel good quoi. Des conneries. D'où est-ce que tu sors ça? T'es l'arme de merde surtout. Mais bordel! Ça vous arrive souvent d'être à moitié subclop dans un coin de mur? La Mega Max. C'est pas des barils à exploser cette merde. Le concept de fusil à pompe, hein, c'est. Visiblement une ambiance, hein, je veux dire. Pour mieux renaître dans la chasse. Ta gueule! La chiasse au loot.
Regarde, mais c'est jamais fini. Moi j'en ai déjà marre de tout comparer là. Pourtant je râle pas souvent. Là je suis sûr que mon inventaire est quasi plein. Et en fait j'ai vraiment pas beaucoup de balles dans cette merde. C'est vraiment un fusil d'assaut ça. Oh, c'est deux snipers. Ça c'est un truc à rafale. D'accord, donc en fait c'est pas du tout bien comme... 28 x 2 et ça... Possède un lance-roquette monté. Les alliés entre rafale de 3 coups et ceux du automatique. Ah mais... Ah. Là j'ai plein de balles. Tant qu'on peut la chair. Oh... De toute façon, dans 2 secondes, il y aura mieux. Oui, donne la sauce. Ça, c'est une belle barbe. Ah, la visée Iron Sight elle est dégueulasse. Je suis perdu. Oh putain de merde, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Lenteur du truc. J'aime bien le fil de cette arme, mais il y a beaucoup trop de méchants quoi. Le snipe c'est pas très judicieux, ah, mais ça fait des dégâts. J'ai trouvé un coffre. Ta tête au bout d'une pique. J'aime ton enthousiasme, mon ami. La faucheuse me sourit. Oh putain, mais en fait il a chié ce snipe, bordel. Le reload de tout le monde. Merde, ça fait du slime absolument partout. Il avait pas l'air mal ce flingue là. Ah mais oui, mais niveau 7. Je garde ma dignité.
usine à gaz hein, ce jeu. Hein. Des décors relativement relous. Du loot à vomir. Littéralement. Les tiroirs me rendent fou. Je veux acheter. Déjà, si je veux revendre. Et des bombes. Toutes choses à un prix. Tout ce que j'équipe pas. De toute façon, on s'en bat les couilles. Je veux juste acheter toutes les balles de sniper. Sans ça, t'es juste un glandu avec un presse-papier. Ton argent. Toujours le bienvenu. Si je peux aider. Voilà. Ah, c'est 36 balles le snipe. Oui. Attends, mais comment j'évite cette merde? On va passer à la vitesse supérieure. Non. Mais regarde, je manque de... Je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Littéralement. Quelqu'un a eu le dessus sur toi, c'est ça? Tu as encore du travail, camarade. Faut pas être autour. Des fois c'est au milieu. Rien. Je comprends rien à cette mécanique de ce bleu.
respawn pour m'en reprendre plein de cul direct derrière. La carte des arches, la voilà. Oui, oui. Perfection. Papa, t'as fait tout ce trajet pour ta vieille carte pourrie. T'avais très envie de me voir. Je savais pas que t'étais autant fan. Mais bon, t'as raté la fête. Ah ouais, j'imagine que tu te demandes, c'est quoi ces statues? J'ai passé mon petit truc à moi. Regarde les écrans. Bon, c'était quoi ce bordel? C'était quoi la tactique? Parce que prendre des gros trucs dans la gueule, c'est pas agréable et c'était beaucoup trop bruyant. Rien à foutre. On s'en bat sempiternellement les couilles. Oui, dépenser des points de compétence. Je savais que tu trouverais la carte. Recrue. Oh, et ça, c'est pas ridicule. Apporte-la moi et surtout la lâche pas. Je l'ai perdue une fois. C'était une fois de trop. En 10 secondes, tu récupères 6 fois un flingue plus puissant, quoi. Alors, je sais que c'est Borderlands, nanani, nanana, j'aurais été jamais joué à Borderlands. Mais en fait, ça m'assomme, quoi. Du coup, il n'y a rien qui est intéressant, quoi. Vu que ça flash dans tous les sens, j'ai l'impression d'être dans un casino, mais. Pour jeune drogué au sucre. Et qu'au bout d'un moment, t'as même plus envie d'ouvrir les coffres, quoi. Que tu connais cette tête décapitée? Oh, c'est pas possible! C'est Vic, mon adjointe en chef! Ma meilleure potasse! Chope sa tête! Ils ont dû l'interroger en réalité virtuelle. Tu sais, on faisait ça aussi chez Hyperion. Quand on attrapait un espion industriel ou quand quelqu'un se faisait piquer sa salade au brocoli dans la cuisine et que j'avais pas le temps d'en refaire. Enfin bref, Vic est coincé dans une salle de torture virtuelle. Faut que t'ailles la tirer de là! Passionnant. C'est la première fois que je chasse dans une tête. Utilisez la carte pour accéder aux stations de voyage éclair aux différentes zones de Pandore. Et appuyez sur Y pour passer en vue orbitale. J'ai appuyé sur Y en fait. A continuer. Y orbital. Trouver une console près de la Donc porte B du 500. Pour se barrer. C'est quoi l'ergonomie? La tête et du coup, tu es obligé de
passer le tutoriel. Qui là te met en vue orbitale. Et du coup, tu peux regarder les temps de chargement. Et oublier que c'est un monde ouvert. Ah mais là, je suis revenu beaucoup trop... C'est là que je voulais. Content de te revoir. Mais soit vous mettez une animation pour le temps, masquer le temps de chargement, soit vous en mettez pas, mais vous faites pas un temps de chargement et une animation. Ouais. Si ta gâchette fait clic, on va arrêter. Hein. On va arrêter de. J'aurais dû sentir l'arrivée des TDA. C'est le chasseur de l'arche. Chasseur, casseur, tasseur, ouais. Balbeur. Bon alors, t'as vraiment la carte? Balbeur. Oui, faucon ardent. Une chasse réussie. Tu peux m'appeler Lilith. T'as la carte? Super! Alors, est-ce que t'as croisé mes éclipseurs? Et pourquoi tu sens la poussière et la peau? Ton clan est mort. Tyrin Calypso l'a massacré. C'était... contre nature. Merde! J'avais tellement de choses à leur dire! Oh. Non! Non, les éclipseurs ne pleurent jamais! Si Tyrin Calypso veut une putain de guerre, elle va l'avoir! C'est la guerre! Je savais que les descendants étaient dangereux. Mais c'est encore pire que ça. Au moins, t'as trouvé la carte. J'aurais jamais cru revoir cette carte un jour. Mais c'est plus qu'une simple carte. On s'en est servi pour ouvrir les autres arches sur Pandore. Toutes les arches ont besoin d'une clé. Bon, on va jeter un œil. Ça fait longtemps. Elle est pas chargée. Attends, je m'en occupe. Merde, ça marche pas. C'est pas normal. Je devrais pouvoir la charger. On a besoin d'aide. Il y a qu'une personne sur cette planète qui comprend la technologie iridienne. Patricia Tanis. Elle a un site de fouille de l'autre côté de la vallée. Apporte-lui la carte. Je te rejoins dès que je peux. Je dois m'occuper de 2-3 trucs pour notre vaisseau. Balbeur. Balbeurland.